Salut, c'est Ezo. En route pour 4 jours de navigation dans la vallée de la Dordogne. C'est parti pour du canoë-kayak en toute autonomie. C'est calme, reposant. Ouh, et sportif en même temps. Le temps est idéal. C'est excellent. C'est très très agréable par cette chaleur. Et visiblement au fond, je vois des gens qui ont l'air de faire la même chose que moi. Quelqu'un qui ramène des brindilles de bois certainement pour faire un feu aussi.
Bien, il est l'heure de se coucher. Alors, après avoir mangé, pensez bien à nettoyer tout ce qui a été en contact avec la nourriture, les couverts, la poêle, etc. Qu'un animal pendant la nuit ne puisse pas le renifler et être attiré et venir regarder ce qu'il y a et peut-être vous faire peur ou même le manger tout simplement pour vous priver de votre nourriture le lendemain. J'ai remis un bois, ce qui va me permettre de me protéger contre les moustiques puisque la fumée les repousse. Bien sûr, je vais mettre cette petite lotion parce que là, près de l'eau, évidemment, les moustiques, il y en a beaucoup. Personne n'aime se faire piquer. Voilà. Toujours la lampe à portée de soi, avec des piles bien chargées. Et évidemment, vous me connaissez, le petit couteau à côté. Allez, il ne reste plus. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et demain, on reprend la balade au bord de l'eau. Allez, ciao! Thank you.
C'est con à dire, mais je commence à souffrir un petit peu de la faim. J'ai pas prévu assez de nourriture. Je vais essayer de me débrouiller, mais ça commence vraiment à tirailler sec. C'est vraiment désert, je suis vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a aucune civilisation. C'est la vallée, les arbres et l'eau. C'est tout. La nature, quoi. Ok, c'est la fin les gars, j'ai plus de batterie. Je vous montre le dernier camp. Alors la pêche a été infructueuse et j'ai trouvé un super endroit pour le dernier bivouac. Ils annoncent peut-être de la pluie, donc par mesure de précaution, j'ai mis un tarp juste au-dessus du sac de couchage. Et puis je comptais manger du poisson ce soir, mais il n'y a rien à faire. Mis à part une petite perche de rien du tout ce matin. Donc, la réserve de bois. Un petit feu pour le réconfort. Il ne me reste plus que 5 biscuits de survie, un demi-litre d'eau. Donc, c'est véritablement la fin. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Ciao! Ça a commencé à 4h du matin et ça n'a pas fini. Il est 10h30 passées du matin. Il va falloir que je plie sous la pluie. Donc le tarp a moitié des trous et donc ça a goûté toute la nuit. Il a fallu que je fasse des petites rigoles là pour pas me prendre la flotte. Et je croyais que l'aventure se terminait hier soir, mais je crois que finalement elle ne fait que commencer. Il est 15h de l'après-midi. Non, je déconne. Je me filme, au moins ça m'occupe. Je me sens pas tout seul. Bah derrière clope, c'est pas une blague. Je dois prendre le bus à une certaine heure, à 3h, à 15h30. J'espère que je ne vais pas le louper parce que c'est ce bus-là qui me ramènera à mon point de départ, tout là-haut, là-haut. Et ce qui me fait le plus chier, c'est que je dois rentrer en moto. Je crois qu'il y a 350 bornes, comme ça. Sous la pluie, ça va être sympa. J'ai dû remonter pendant la nuit le kayak parce que l'eau a monté un petit peu. Et comme il y avait des coups de tonnerre et puis des éclairs qui illuminaient de temps en temps la surface de l'eau, je me dis que ça remontait petit à petit. Alors j'ai flippé ma race. Enfin bon, c'est pas la fin du monde non plus.